Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration où nous célébrons Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à être nous-mêmes martyrs. Martyr, ça veut dire témoin. Témoin de l'amour infini de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Au début de cette célébration, demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le Juif d'abord et le païen. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. Comme il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire de Dieu, du Dieu impérissable, contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur. Lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les cieux proclament.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. C'est intéressant de voir dans l'Évangile d'aujourd'hui le Seigneur qui dit, vous avez remarqué sûrement qu'on parle de Jésus, puis après ça, on dit « le Seigneur dit ». Le Seigneur dit dans le sens que c'est l'envoyé de Dieu. « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » En ce jour de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, c'est intéressant de voir comment l'Évangile nous invite justement à réaliser comment, à travers le partage, il y a aussi la pureté du cœur. La pureté du cœur parce que, dans le fond, et quand on adhère au Christ, quand on croit au Christ, quand on accepte le Christ dans nos vies, on ne peut pas juste l'accepter du bout des lèvres. C'est important d'y croire, c'est important d'en témoigner, c'est important de le dire. C'est un élément fondamental. Quand on voit dans l'amour, il y a trois façons de dire qu'on aime. Le dire en parole, et ces trois façons-là ne se remplacent pas. Un aspect ne peut pas remplacer l'autre. Alors, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on lui dit en parole. C'est ce qu'on fait à l'Eucharistie, on dit à Dieu en parole. On dit qu'on l'aime, qu'on lui dit merci d'être au cœur de nos vies, d'être le cœur de notre vie, de faire comme saint Ignace, de lui dire que c'est lui qui vit en nous, et c'est ce que nous faisons quand nous communions à lui, quand nous sommes en communion. Alors le dire, quand on aime, on dit en parole. Quand on aime, on dit aussi dans des gestes extérieurs. Des gestes extérieurs, et c'est ce partage qui est absolument indispensable. Le partage de nos biens. On peut dire, des fois, je n'ai pas d'argent. Il y a trois sortes de biens qu'on peut partager. Notre temps, nos talents et notre argent. Et c'est ça qu'on est appelé à partager. Et c'est aussi ce qu'on est appelé à partager et à partager avec ceux qui n'ont peut-être pas d'argent. À être capable de reconnaître leurs talents, reconnaître leurs richesses,
la richesse de leur être, mais tout en partageant ce qu'on peut au niveau des biens, mais reconnaître la richesse de quelqu'un, c'est déjà l'aider à grandir dans la dignité. Et éliminer la pauvreté, c'est justement être capable de partager. C'est un partage mutuel. Et c'est ça l'esprit profond. On est au 400e anniversaire de Saint-Vincent, le charisme vincentien. Bien, Saint-Vincent reconnaissait dans les pauvres leur maître. Alors, c'est important. Et on est aujourd'hui au 7e anniversaire de la canonisation du frère André. Le frère André accueillait les gens avec beaucoup de respect et de dignité. C'est ça, d'être capable de reconnaître dans l'autre le Christ. C'est ça, d'être capable de partager. Partager, c'est d'être capable de voir qu'on reçoit de l'autre et de voir qu'on peut donner à l'autre. Alors aujourd'hui, on va demander au Seigneur d'être capable de partager, non seulement en donnant, mais en acceptant de recevoir, puis en reconnaissant que l'autre peut nous donner. Et on va demander au Seigneur qu'il nous aide à dire, au cours de la journée, ce que Saint Ignace disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous aurons communié au Christ, ça ne se termine pas après la messe, ça dure toute la journée, ça dure toute la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ, moulu sous la dent des bêtes, et devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Ignace d'Antioche. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse. Quand tu donnes à des êtres fragiles
de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier en ce jour pour M. Bruno Giroux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Frère André, Saint Ignace d'Antioche, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Avec la certitude d'être aimé à la folie par Dieu notre Père, avec le désir d'en témoigner, redisons ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons cette paix qui nous vient de Dieu. Sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Heureux, heureuses sommes-nous d'avoir Jésus, le Christ, notre Sauveur, notre Dieu, qui accepte de venir dans nos cœurs, dans nos vies. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, par cette communion au pain du ciel, reçue en la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens et chrétiennes par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À page 58 dans votre recueil de prières, nous allons dire la prière « Joseph, notre consolateur dans la souffrance » à l'occasion de cette journée. Ensemble, compatissant Joseph, solidaire de notre condition humaine, avec Marie et Jésus, vous faites l'expérience de l'exil, de la faim, de la violence. Refusant la vengeance, vous choisissez la miséricorde. Votre pardon brise le cercle de la violence. À cause de votre bonté, Dieu garde espoir en notre humanité. Joie pour vous, car le royaume de Dieu est votre héritage. Ouvrez nos mains consolatrices lors de guerre, de famine et d'exil. Éloignez de nous l'esprit de victime et que notre peine soit source d'épanouissement. Soutenez notre responsabilité de cultiver la paix, la joie, la sérénité intérieure. Conseillez-nous de votre sagesse pour fermer toute porte à la rancune. Ainsi, sous le regard de Dieu, nous danserons de joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime à la folie, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.